guys like the video, hope you guys enjoy it. If you do, hit the like button, subscribe to the channel for more, because I'm gonna release on this channel a ton of Outriders videos. Gonna give you some tips, you know, to help you progress as fast as possible and be able to reach the challenge tier, right? The challenge tier, because that's the end game. That's the highest so far challenge of the game. What's up? Je disais que 1 pour l'autre, ça va être trop intense. Ouais, en forme. En forme, c'est. Yo, Gears of War? Tu parles du nouveau? Le Ranked in that match? Le Gears 5? Tu parles de Outland 2, qui est la version de Gears? Outriders? Non, Gears of War. Gears. Gears. Vrai Gears. Eh oui. Tu es rendu à quel? Moi j'ai arrêté après le 3. Non, joue au 5 là. Okay. Mais ouais, moi aussi j'ai investi vraiment. À partir du 3, j'ai arrêté de jouer là. 4, j'ai joué un peu, puis 5 aussi. Non. 5, je l'ai acheté depuis que le jeu a sorti, mais j'ai joué comme 3 ou 4 fois là, toute ma vie. Oh shit. Yep, yep. Je suis en train de le streamer live sur YouTube là. Yep. Ok. Bloqué, je comprends pas. Pourquoi tu fais un ou l'autre? Parce que tu vas être trop intense dedans ou quoi? Ben, c'est trop de. Je peux pas faire deux games de soi comme ça. J'aime pas ça. T'en prends un au sérieux, puis un moins au sérieux. Non, c'est un ou l'autre. Si je fais ça, je délite. Je vais toujours là, tu vois. Je fais juste ça. Déjà Destiny que j'ai lésiné un peu là, et pourtant je devrais avoir. En passant, je suis 1300 boss. Pardon, t'es quoi? Je suis 1300 là, mon power level commence à augmenter. Sorry, je mettais mon casque à la charge. T'es quoi, t'as dit? 1300. Ok, 13. Ok, nice. Nice.
Là, t'atteins le soft cap. Moi, j'atteins le cap, là, finalement. Là, il faut juste les pineapples. Doucement, mais sûrement. Ah oui, 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 tu vas l'avoir. Vous avez refait du trials? Non, non. Hmm? Si j'en fais, ça seulement comme. Comment ça s'appelle? Spartacus, il en fait plus. Fait que ça va vraiment toi picking là. C'est seulement avec vous que je peux avancer, là, ça marchera pas ça. Ok. On vous êtes dedans, les prochaines fois, je vais aller. Là. L'épée, moi, je suis pas vraiment un gars d'épée de toute façon. Okay. Mm-hmm. Non, moi non plus. Moi non plus. Moi, je l'ai fait parce qu'Aaron voulait l'épée là. Non, un fan. Fallen Guillotine, c'était assez pour moi. Yeah. Y'a toi, t'es Seattle Raiders? Oh, tu commences le recrutement déjà? Non. Mais si tu l'essaies, moi, gars, j'ai une vidéo là. Je viens de faire une vidéo là sur comment aller au endgame de Outriders. C'est ce que j'ai fait ça aujourd'hui, là, toute la journée. Outriders? Ouais. Mais c'est bon, il est bon. Pas un mauvais jeu du tout. Mais c'est tough. C'est tough. C'est ça, il disait, il faut respecter les ennemis, là. Tu peux pas juste... Oui. Pas le party, là. Non, c'est ça, c'est... Il faut... ça fait longtemps que j'avais pas joué un jeu aussi challengeant, pour vrai. C'est ça, tout ce que j'ai vu, j'ai bien vu quand j'ai vu Glass Cannon. Ben oui. Non, le jeu est fucking tough, mon gars. Ça arrivé là, c'est... Tu sais, ça va un peu... c'est pas trop comme les looter-shooters sont habituellement. Tu sais, avoir des looter-shooters que tu vas jouer au début, c'est facile. Puis le jeu devient plus difficile à la fin. Mais Outriders, là, ils ont dit... le jeu est difficile depuis le début jusqu'à la fin. C'est bon ça. Yeah. En fait, ton grind a été vite et rapide. T'as eu des loot vite. Tu vois le bonhomme passer de sèche à quelque chose rapide. Là. Mm-hmm. Ben, c'est parce qu'au début, moi, j'essayais de faire des trucs de World Tier. Pour après me rendre compte que ça servait à rien. Fait que j'ai mis le jeu juste en tier plus facile. C'est à différents niveaux de tier. Soit je l'ai mis en bas tier. Puis j'ai juste fait la progression. Puis après, il fallait par le endgame en tier plus élevé, genre. Ok. Parce que le jeu, il fait... ouais, certaines parties, puis certaines mécaniques dans le jeu rappellent un thème. C'est quoi? Est-ce que les ennemis, ils sont forts ou ils sont tanky ou forts? Sont nombreux. C'est leur nombre, okay. Le gros problème. Ils sont très nombreux. Ils sont nombreux, puis... C'est sûr et certain que le jeu, si les ennemis, ils ont pas été trop dans l'approche de Division. Parce que Division, la seule chose qu'ils ont faite quand tu fais les raids et les activités héroïques, c'est que les ennemis sont... Parce que le jeu a quand même une bonne... Le AI de Division est très 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 intelligent. So, ils ont juste compensé la difficulté, vu que leur AI est déjà très bon, en augmentant les points de vie de l'ennemi. Ça, c'est un peu frustrant parce que dans Division, là, si t'as pas un bon build, un ennemi va te prendre comme 4 chargeurs. Beaucoup de monde reproche à Division que la seule chose qu'ils font, c'est mettre les ennemis bullet spongy. Puis dans le 1, c'était pire, puis à ce qui paraît. Puis là, dans le 2, c'est un peu mieux, mais c'est toujours très bullet spongy. Mais Outriders, non, si t'es bien gear. Pour l'activité que tu fais, les ennemis, comme quand tu es bien stuffé, même quand tu fais, mettons, on va dire le dernier niveau du jeu, tu vas tuer les ennemis aussi rapidement que si tu faisais le premier niveau du jeu. Tu vois un peu? Okay. Mais il faut que tu sois bien guéré, genre. Sinon, oui, là, tu vas sentir que les ennemis sont bullet spongy parce que tu te fais pas mal. Tu les chatouilles, là, quand tu les tires dessus. Ok, mais c'est une meilleure balance.
juste tirer des balles pour tirer des balles. Pour tirer des balles, ouais. Mais le nombre. Ah, ouais, deux, on parle de la guerre que le nombre. Comme. Ben, moi je jouais sur Xbox avec les gars, puis finalement, moi je me suis dit, j'ai PC, je vais aller prendre l'expérience PC. J'ai Switch pour PC. Mais là, le problème avec le jeu, parce qu'en plus, en sachant que le jeu était crossplay, mais en ce moment, le crossplay fonctionne pas très bien là. Les développeurs sont en courant et PC, tout. PC, Xbox ou PC, Xbox, PlayStation? Non, c'est crossplay partout. PC, Xbox, Epic, Steam. Partout. And now you rot in the dirt. Perhaps this is where you have always belonged. Et c'est gratuit sur toutes les plateformes. Non, seulement sur Xbox Game Pass. Yep. Ouais, il est challengeant. Il est très très challengeant. Là, moi, je suis rendu à... Parce que dans le jeu, il y a comme deux systèmes de progression in-game. Puis, tu sais, je pense que le jeu, le problème avec le jeu, en ce moment, vu que le jeu est relativement nouveau, le jeu, il fait pas une bonne job, ou du moins, les développeurs ont échappé la balle dans certaines parties du jeu. Que si tu sais pas, là, tu vas perdre ton temps en jouant à ce jeu-là. Tu vas vraiment perdre ton temps parce qu'il y a des choses que tu vas faire, tu te rends compte que genre tu l'as fait mais littéralement pour rien là. C'est pas normal, ça, c'est toujours trouver ça bizarre. Ouais, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est leur quoi de quoi. C'est bon, avant jeu. Yep. Puis en ce moment il y a comme un genre de truc, probablement que c'était pas voulu, mais les loots. Parce que tu sais, ça fonctionne un peu comme dans Destiny, t'as les loot gris. Là-dedans, c'est t'as du vert, du bleu, du mauve, du. Puis du orange, qui est comme le loot épique. Ok? Puis on s'entend que lèche les idées en ordre du moins fort au plus fort, right? So, vert, moins fort, ensuite bleu, et tout et tout. Et en ce moment, le loot. Vert est plus précieux que le loot jaune. Mais pardon, pas jaune, mauve. Mauve, pas jaune. Faut pas que j'exagère. Jaune parce que jaune c'est quand même légendaire. Mais le loot vert est plus précieux que le loot mauve. À cause que ouais, c'est super bizarre. Mais toi tu le sais pas, tu le sauras pas si c'est pas quelqu'un qui te le dit ou si c'est pas en jouant au jeu que tu te rends compte qu'à 30 minutes. Hein, c'est... Mais non, c'est pas en termes de DPS. Ils ont pas échappé la balle sur ça. C'est pas en termes de DPS que le loot vert est mieux. C'est en termes de. Ok. Quand tu joues au jeu, ok. Le jeu te donne un système de crafting où tu peux augmenter la puissance de tes gears. Tu peux genre, tu peux faire passer ton gear de level vert à niveau mauve. Ok, tu veux juste pas faire passer de mauve à légendaire parce que légendaire, les développeurs voulaient que tu comme les loot, right? Et non pas juste que tu le craft. Mais le truc c'est que le loot vert peut drop. Puis tu peux genre le avec la table de crafting, tu peux improve sa rareté. Si tu veux faire le vert devenir mauve, tu sais? Mais l'affaire c'est que pour faire le vert devenir mauve, ça coûte moins de ressources que pour faire le mauve te donner plus de puissance. Déjà là, ça c'est une contradiction nette là, ça. C'est parce que même, ça. C'est ça. Puis pourquoi ça arrive? C'est parce que, je te donne un exemple, ok? À un certain moment, t'arrives dans le jeu où tu vas être niveau, on va dire, 46. Ok? Ton loot va tomber niveau 46. Right? Puis, si tu veux que ton loot... J'avais oublié aussi de dire, il y avait un truc de Oui, c'est encore. Skill level high là, ça c'est okay, des top ça, j'allais dire. C'est qui les simples que tu parles? T'aurais pas dire compliquer la vie. C'est qui les un peu simples?
Mais que leur attaque c'est. Contact. Chaque attaque c'est. T'as pas besoin de prendre des maisons. Ok. Ramasse en un. Ex-balancé, t'as pas besoin de prendre des maisons. Après, t'as. Comment ça s'appelle encore? Il y a un gars là. J'ai oublié son nom. C'est un japonais, il y a un coup d'épée, puis il peut summon un cheval là, puis il te lance une flèche à 36. Chiron? Chiron est pas si pire, Chiron est. Non, pas straightforward. Chiron est juste oui comparé aux autres, mais il est très straightforward. Par des Izanami? Izanami très facile. Sous son armure, t'es dur à l'air. Ah, toi, lui, il veut jouer, ok. Like ok, gaffe-moi. Ma bête, tu peux continuer qu'est-ce que tu dis avec Boss. Non, non, c'est chiant. Seulement, oui, il faut que tu tends son affaire. Il faut que tu vises le ricochet. Là, il faut que tu l'aides. Comment ça s'appelle son affaire Bref, vas-y, qu'est-ce que tu disais, Boss. Le problème qui se passe en ce moment, c'est que, on va dire que t'es. On va dire t'es parce que le jeu fonctionne sur une difficulté de tier, de world tier, ok. Puis quand t'arrives in game, ça devient des challenge tier, ok. Mais on va dire que t'es challenge tier 10, ok. J'ai des chiffres, puis j'essaie de prendre des chiffres ronds pour pas qu'on se complique la vie. Donc on va dire t'es challenge tier 10, ok. Puis challenge tier 10, le maximum que ton loot peut tomber, c'est niveau, on va dire 40, ok. Maintenant, si tu montes challenge tier 11, le maximum de loot que tu vas avoir, on va dire, c'est 42. Okay? Maintenant, toi, tu étais gearé, t'avais tes stuff, tes armes et tes armures niveau 40 parce que tu étais challenge tier 40, right? So là, maintenant, tu viens de monter challenge tier, tu es tombé challenge tier 11. So maintenant, il faut que tes gears sont comme outdated, si tu veux, right? Parce que là, tes gears sont niveau 40. Mais tu peux aller jusqu'à 42. Tu me suis jusqu'à date? So, ouais. Puis là, on va dire que tes gears qui sont niveau 40 en ce moment sur toi, c'est des épiques. C'est du move. OK? Maintenant, okay. Faire le move qui est... Parce que le move que tu as, ils sont niveau 40. Toutes les gears move que tu as sont niveau 40. Maintenant, le jeu t'offre la possibilité de pouvoir les crafter puis les faire monter de 40 à 42. OK? Tu me suis jusqu'à date? Puis là, tu vas comprendre pourquoi c'est mal fait. C'est que... Faire ton move passer de 40 à 42, ça coûte plein de ressources. Comme c'est malade comment ça coûte de ressources là. Ok. Mais si tu vas prendre, si ton CT est niveau 11, ton challenge tier est niveau 11, donc les loot que t'as sont niveau 12. Si tu vas prendre un loot vert, puis tu fais le loot de vert passer à move. Il va passer à move au plus haut niveau que t'es rendu dans ton challenge tier, dans ton world tier. Fait automatiquement ton loot que tu vas prendre, ton loot vert que tu vas prendre, quand il va tomber à move, il va tomber à move niveau 42. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. Puis ça coûte rien. Ça coûte rien le faire monter à move, ça coûte rien. Versus quelque chose qui est déjà à move, le faire passer de move niveau 40 à move niveau 42, ça coûte extrêmement cher en termes de ressources. Alors que le faire passer de vert, vu que ton niveau le plus élevé est 42, le jeu va automatiquement passer ton item vert. Lorsqu'il va être rendu à move, il va être automatiquement niveau 42. Tu vois un peu? Fait que c'est pour ça que le vert devient plus valorisant que le move. Puis en plus... Dans le vert, quand tu le fais passer de vert à bleu, puis de bleu à mauve, c'est toi qui choisis quel mode que tu veux mettre dedans. Bon, bref, t'as trois à travers les modes que le... T'as aucune raison de pas le faire. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mauve... Le vert est vraiment plus valorisant parce que le vert, tu le montes de niveau. Quand ton vert passe à bleu, le jeu te dit, OK, t'as trois choix t'as trois choix de mod, lequel que tu veux, tu le choisis. Ensuite de ça, quand tu passes de bleu à mauve, parce que quand c'est bleu, tu peux mettre un mod, quand c'est mauve, tu peux mettre deux mods. Fait quand tu fais passer de bleu à mauve, le jeu te dit, OK, t'as déjà un mod,
Mais là, choisis en trois modes, c'est quoi ton deuxième mode? Tu vois un peu? Fait que non seulement. Puis quand il arrive à move, il arrive à au niveau de tier le plus élevé. C'est cave là, mais c'est juste que c'est rendu comme ça maintenant le jeu là. Tu fais plus attention aux items verts que tu as que tu fais attention aux items move que tu as, alors que c'est pas supposé d'être comme ça, right? C'est vert, c'est l'avant-dernier item le plus. Non, c'est pas supposé. C'est juste que les devs vont pas penser à ça. Là, c'est comme. Tu nous donnes la possibilité d'augmenter nos gear, mais ça l'augmente au niveau le plus élevé. Alors, on va pas se casser la tête là. Puis quand je dis c'est cher, c'est extrêmement cher là. Le monté de move niveau 40 à move niveau 42, c'est les yeux de la tête là, en termes de ressources là. Parce que c'est rien, ça coûte rien là. Puis en plus, les mêmes, parce que le jeu te met comme des mods. Les mods, quand tu le upgrades toi-même, tu choisis. Mais t'as comme des bonus, des stats passives que j'appelle. Et ces stats passives là. Ces stats passives là, tu t'as même pas besoin. Dans le fond, c'est RNG, mais t'as juste qu'à attendre que t'as les stats passives que tu veux pour commencer à augmenter ton gear. Tout ça en bonnant du vert. J'ai. Ouais. Ça va baisser, sinon on sera en train de voir un cul comme ça. Ah ouais, bah oui. Bah oui, mon gars. Et déjà, j'ai vu ça, des gars qui mettaient du bleu parce que le stade de base de, je sais pas, résilience était comme à 30, quelque chose comme ça. Dans Destiny, ouais. Yeah. Ouais, parce que dans Destiny, les gears bleus ont tendance à dropper avec des meilleurs stats que les gears mauves. Mais le problème, mais ce qui est dans Destiny, je pense que je m'en avais vu trop, c'est quoi, mais un truc que ton gear bleu peut pas faire, je pense, c'est prendre les mods. Il y a certains, le gear bleu est limité à certains nombre de mods que ton gear peut avoir. Je pense que ça ralentit les gens à mettre trop de bleu. Mais ouais, Outriders là, il n'y a aucune limite, mon gars. Mais sinon, c'est ça, le jeu c'est. C'est le truc là, mais sinon non, c'est un bon jeu. Bon jeu, ouais, t'aimes tirer le monde, t'aimes l'action, t'aimes faire des builds qui tapent, qui font mal. Yeah. Definitely, man. Et les combos, ça, surtout que c'est... Ouais, c'est complexe là, c'est... un skill tree là où ce que tu peux faire un panoplie de combos de skills. Tu peux aller vraiment puis là, ça c'est une autre affaire que j'aime pas trop encore dans le jeu, c'est que ben donc moi j'aime pas, mais beaucoup de monde vont pas encore voir là. c'est que ce qui se passe dans le jeu en ce moment, c'est que le jeu le endgame content est basé sur un seul focus. Puis ça, c'est pas à cause des joueurs, c'est à cause des développeurs. Le seul focus dans le jeu présentement, hein, c'est de faire les choses le plus vite possible. Ouais. Tu dois faire... Ça, c'est pas ça. Ouais. Ouais. Ouais, parce que le mais tu peux prendre ton temps quand tu fais la campagne, puis quand tu fais, mais quand t'arrives le endgame, parce que le jeu, la dernière activité que tu fais dans le jeu s'appelle challenge tier. Puis les challenge tier, le problème avec, en ce moment dans le jeu avec les challenge tier, c'est que la meilleure récompense est basée derrière un temps. Pour avoir la meilleure récompense, il faut que tu tues les ennemis le plus vite possible. Puis genre, mettons, si tu les tues en bas de 10 minutes, ben là, t'as gold tier, ok? C'est basé sur 4 types de loot. Moi, perso, je trouve que c'est pas vrai, dans le sens que, par exemple, si on a une synergie dans le damage output que tu gagnes, ça fait du sens que l'on a une minute. Si non, c'est ça. Non, y a pas, c'est pas,
Le jeu. Parce que toi, t'as max DPS d'une certaine façon. Ouais. C'est nous qu'on faisait les affaires là-dessus, genre des maladies. C'est ça. Là, tu passes à travers, ok. Exact. C'est ça. Ce jeu-là, c'est vraiment comme ça. Mais le truc qui se passe avec ça, c'est que le jeu t'encourage pas à faire d'autres builds qu'un build qui tape le plus fort que possible. C'est juste ça le problème. Parce que. C'est pas un jeu où tu vas, mettons, on va dire, surtout si tu fais du challenge tier, tu vas pas faire le meilleur build qui va soigner, parce qu'il y a pas vraiment de soin dans le jeu. C'est vraiment, le jeu veut que tu fasses le truc ASAP, parce que si tu le fais le plus vite possible, ben c'est là que t'as ton gold medal. Si tu le fais, tu prends un peu plus de temps. C'est là que tu vas avoir Silver Medal. Puis si tu fais encore plus de temps, tu vas avoir. Puis tu vas avoir le Gold Medal, parce que quand t'as le Gold Medal, ben c'est là que t'as le meilleur. Meilleur possible lead. Dans quoi t'es pas d'accord, c'est ça? La fortune, déjà. À quel niveau? La fois que tu as dit même au moment où que le jeu te demande d'y aller avec le plus de damage possible. Ouais. Ok. Ok, pourquoi? Big Boss Theory. Ben, est-ce que c'est big time que je suis bias au DPS? Mais. Extrêmement bias au DPS. Mais, ok, Outriders, Endgame, Challenge Tier te dit, finis ça en bas de 10 minutes. Qu'est-ce qui va te permettre de finir ça en bas de 10 minutes? Tiens, mais regarde, les gars comme Iron, ils le font, ils font pas des builds B, hein. Ok, ils font quoi? Ils font du Challenge Tier? Ouais. Ok. Il y a plein de personnes qui peuvent jouer le jeu sans ça. Façon ok. Comme si le jeu le fait de façon que c'est ça ou. Ben, encourage. Ben oui. Tu sais pourquoi je te dirais que le jeu encouragerait pas ça si le jeu serait fait d'une façon différente? C'est si le jeu te dirait, parfait, regarde, voici une activité que tu vas faire. Tu vas pouvoir aller chercher le gold medal. Si tu fais tous les objectifs qu'il y a dans la mission à faire. Mais maintenant, si tu arrives à faire ça dans un certain laps de temps, ben, regarde ce que tu vas avoir comme reward. Mais c'est pas ça que le jeu dit. Le jeu dit, ton top reward bat le temps en 10 minutes. Exemple, pour une expédition. Sinon, en bas de 10 minutes, ben, t'as pas de gold reward, t'as silver. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. So, faire les objectifs, parce que t'as des objectifs à faire dans chaque partie d'expédition, t'as des objectifs à faire. Mais ça te donne aucune récompense, là, faire les objectifs. Rien. T'as aucun... Jouer l'objectif, là, dans une expédition, le jeu te récompense pas du tout pour ça, là. La seule chose que le jeu te récompense pour, c'est... Est-ce que t'as fini la mission en bas de 10 minutes? Si oui, tiens ton gold medal. Sinon, ben, sorry man, silver. Puis la seule façon pour que tu arrives à faire la médaille dorée, la façon la plus rapide possible, c'est de faire le plus de damage possible. Je pense que dans la shooting MMO, nous avons encore un jeu qui a fait un bélier, c'est ça. Le... Ouais. Avec le Davidson et tout ça là. Mm-hmm. Ça ressemblait à Neverwinter là. Ok. Tu sais qu'on. On t'aime tout ça du DPS, mais ton main focus s'éteint et le jeu fait en fonction que t'as une utilité en tant que tel. Pour des mécaniques du jeu. Mais dans un jeu de shooting, comme vu que ton but c'est une boss, t'as vraiment de. Tu mets de l'emphase sur le tank parce que ton DPS va juste voir l'ordre et pas passer les activités avec aussi de facilité. Mm-hmm.
Ben oui. Genre, j'ai pas trouvé un jeu qui a bien réussi à balancer ça. Genre, comme, genre soyons honnêtes, là, même dans Division, j'étais chaud pour aller defense, là, mais comme la réalité, Vanglas Cannon, puis c'était assez, là. C'était assez, ouais, ouais, tu. Tout le reste, c'est. T'as monté une photo, t'avais une distance de quasiment 1 million sur le joueur, c'est plus négligeable. Ben oui. Ouais, mais tu peux faire le. Tu peux faire un truc d'armée, faire un truc de deck. Ouais, mais le glace cannon est dominé. Moi, si tu dis que j'ai un tout le monde, tu peux avoir un glace cannon et un tout deck. C'est ça, tu peux faire. Je forçais pas. C'est là, là. Je pense pas qu'il donne l'option, mais est-ce que c'est vraiment utile? Comme est-ce qu'il y a un boss vraiment qui va te fixer toi à cause que t'as des tanks, genre? Ben oui. C'est dans les zones quand t'es tank, c'est comme le gars qui vise parce que t'es tank. Là, t'as besoin de... Comment on appelle ça? T'as besoin de... De tech pour stunt les ennemis. Ah, ok. T'as besoin, mais est-ce que le gars qui attaque c'est un gars de seconde main ou c'est un gars utile? C'est quoi? Quelle distance? Yo, Yemi, c'est un gars de seconde main. C'est un gars de. Comme si j'ai 4 glass cannon ou ouais. un gars de chaque classe, qu'est-ce qui va être plus utile? Pour vrai, dans le jeu là, pour vrai, dans le jeu là, en ce moment, c'est DPS. Ouais. Ah, ça peut. Cette parole-là de Big Boss. Ok. Mais ça vient d'un gars qui. Y a pas un jeu que t'as pas dit que pour vrai dans ce jeu-là, en ce moment, c'est DPS. Comme à un moment donné là. Ben, y a pas un jeu. C'est parce que comme Blocky a dit, c'est très difficile pour des. À part si tu joues un jeu genre. Toutes les développeurs ont fait zéro, ça. Non, mais à part si tu joues un jeu vraiment comme MMORPG, comme on va dire, World of Warcraft ou Black Desert, là, tu vas trouver de la variété dans le sens que, ok, si tu peux aller tank, puis ton rôle est d'être le plus tanky possible, puis on a besoin d'un tank. Un tank, c'est absolument important pour pouvoir passer cette partie-là. Mais dans les looteux-shooteux qui essaient de ressembler, qui implémentent dans ce concept-là, le RPG, pour vrai. Ils échappent toute la balle. Destiny, échappe la balle. Destiny, tu veux faire le, tu veux taper l'ennemi le plus possible pour finir l'activité le plus vite possible. Division, je pense que Division 1 en fait une meilleure job que Division 2, mais Division 2 pour vrai, c'est puis au début de Division 2, c'était uniquement gun là, ton DPS de gun. Maintenant, dans Division 2, tu vas trouver des skills, puis les développeurs ont dû faire des patchs et des patchs et des patchs pour faire en sorte que les skills puissent faire autant ou des fois un peu plus qu'un gars qui fait du pur DPS avec son gun. Mais pendant longtemps de la durée de vie de Division 2, ça a été gun. Prends ton gun, glass cannon build, puis perce. Outriders, même chose. Tu vas faire un build d'Outriders de Anomaly à 130 000. C'est pas nécessaire ce que tu dis, parce que c'est le même point que tu vas dire. Réponds, est-ce que ça veut dire que tous les jeux ont fait zéro? Ben, tous les jeux de looteux-shooteux qui implémentent du RPG avec des différents types de builds, oui, on échappé la balle. Oui, oui. Ouais. Tu peux pas avoir plus de réponses biaise que ça, là. Ça t'explique déjà, là. Ben, écoute. Ben, tu dis, y a pas un jeu qui est sorti que comme... Ben, ok. Ils l'ont bien fait. Ok, pas un jeu que moi j'ai joué. Attends. Mais moi, comme je t'ai dit, ouais. Moi, tu peux pas nommer un jeu que t'as pas dit cette phrase. C'est juste ça qui prouve que t'es biaise. Ben, Division c'est maintenant. Non, c'est pas vrai. T'as dit ça pour Division, j'étais là. Oui, au début, parce qu'on a joué ensemble au début. Mais maintenant, si... Je t'ai dit, est-ce qu'il y a un jeu que, à un instant, ouais. T'as pas dit cette phrase, que le jeu, exactement comme tu l'as dit, là, je peux pas le répéter là, mais exactement comme tu l'as dit, en ce moment, le jeu, ceci, cela, c'est DPS. Ils ont Division... tout drop the ball, là, puis après, ils se sont réveillés. Ouais.
Ouais. Mais ils savent pas qu'elle dit ça. Ben, je m'en... Qui sera le juge? Ben, c'est pas la fin de mensonge, c'est la fin de opinion, mais... Ouais. C'est qui le juge de ça? Ben, opinion, oui, slash scoreboard aussi, parce qu'au début de Division 2, tu pouvais avoir ton slash scoreboard. Dans Division 2, tu peux avoir le meilleur build de skills, puis moi j'avais le meilleur build de DPS. À la fin de la game, ce qui était le fun de Division, c'est que tu avais un scoreboard. Puis on voyait clairement que celui qui avait fini le plus de damage, puis je dis pas damage de gun, mais le plus de damage, celui qui avait le damage de gun finissait on top de celui qui avait le damage de skills. Dans Division, ça a été littéralement comme ça. On top du... Non, du damage department. Ouais, je sais, mais si tu regardes le nombre, je te parle en termes de temps que tu vas mettre pour faire l'activité. Celui qui va faire du damage de gun va le faire beaucoup plus rapidement et va avoir beaucoup plus de chiffres que celui qui va le faire en damage de skills dans les débuts de la vie de Division 2. Après Division 2, ils ont dû patcher pour amener les skills au niveau des guns. Mais là, ça a commencé à avoir du sens à la deuxième année de Division 2. Mais pendant tout ce temps-là, Division 2, c'était vas-y avec un build de gun. Tu vas faire beaucoup plus de damage, tu vas tuer les ennemis beaucoup plus rapidement, tu vas être en mesure de pouvoir faire le combo beaucoup plus vite que celui qui va essayer de faire des damages avec des skills. Et c'était vrai, mais maintenant c'est plus le cas dans Division 2 parce que les skills sont très 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 forts. Mais comme je dis, ça a été des patchs et des patchs et des patchs. À mon avis, c'est la même chose qui est en train d'arriver avec Outriders. Outriders va faire un build de Anomaly Power. Puis, ça, c'est pas capable de pouvoir mettre les ennemis aussi rapidement que tu le veux que si tu fais... C'est vrai que si tu fais un build de gun avec Weapon Damage, yo, tu vas mettre les gars, tu vas passer à travers le contenu tellement plus rapidement. Oui, parce qu'ils mettent un temps sur le dernier concept de jeu qu'ils ont mis, qui est le endgame. Endgame, ils mettent du temps. Mais du temps. Mais non, mais c'est ça. Le temps est en fonction de ton loot. Ils te disent, fais ça. Le jeu te dit rien d'autre que fais ça le plus vite possible. Puis là, tu vas avoir ton gold medal. Sinon, too bad. Tu vas avoir silver, bronze. C'est pour ça que je dis, si le jeu aurait voulu que je fasse pas ça rapidement ou que, tu sais, j'utilise les mécaniques, mettons, on va dire, de crowd control, de whatever, qu'est-ce que le jeu offre, le jeu m'aurait donné une autre façon d'aller chercher le meilleur score. Peut-être le jeu m'aurait dit, you know what, si tu fais tel objectif parfaitement ou tu fais telle chose qui est liée à l'objectif de la mission, j'aurais dit, ok. Le jeu veut pas juste que je melte les ennemis et que je finisse la mission le plus vite possible. Parce qu'en ce moment, c'est Scout Rider qui dit. Finis la mission le plus vite possible. Fais le maximum de damage possible pour t'en aller à la prochaine. Parce que si tu fais ça, tu vas avoir ton gold medal. Puis ton reward va être plus intéressant que si tu prends plus de temps. Puis tu le vois même aussi là, quand tu commences maintenant à jouer avec des groupes. Ce que les gens demandent dans les groupes, là, un peu dans les raids là. Tu sais, les raids, quand tu fais des raids dans Destiny, dans le monde, vont te dire hey, telle affaire et telle affaire. Maintenant, dans Outriders là, qu'est-ce que les gens demandent quand t'arrives Challenge Tier 13, 14, 15? Le monde demande sur les groupes c'est quoi have 150 firepower. Like, si t'as 150 000 de firepower, ok, rejoins le groupe. Pourquoi tu penses que le monde demande ça? Quick! C'est ça que le jeu. C'est pas la faute aux gens, c'est ça que les devs ont fait. Tu sais, dès que t'arrives en game, y'a rien d'autre que tu veux faire que de finir le truc et ACP. Parce que si tu le finis pas vite, tu tombes. Puis la différence entre bronze, entre une médaille de bronze et une médaille de doré est énorme là, en termes de loot que tu vas recevoir. Ça, c'est très 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 différent. Mais
C'est vrai, je suis bias, moi je suis un gars, n'importe quel jeu que je joue, comme ce que je dis, je promoter, et la première des choses que je vais parler, c'est quoi ton damage, c'est quoi ton DPS, est-ce que ton build fait du dégât ou pas? C'est quoi ton TTK? C'est quoi ton time to kill? Si t'es dans les... Si t'es dans les points 7 secondes, mon gars, ah non, ton mur n'est pas bon. Faut que tu mettes en point 2 secondes, mon gars. What's your TTK, bro? Non, mais... Le jeu est nice, le jeu est nice. C'est un bel petit jouet. Un bel petit jouet. Très challenge. Très 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 challenge. Tu joues à quoi? Hein, bon, j'ai eu le kill. Mais j'ai tiré de n'importe où, j'ai eu le kill quand même. Comme live là dans le jeu, moi je suis bloqué. J'arrive pas à passer. Je suis pas assez fort en fait pour passer au prochain challenge tier. Mon bonhomme est pas assez. Fait pas assez mal. Les ennemis me dévorent tout cru, mon gars. Ouvert, mon gars. J'ai mis. Allô? J'ai mis request for le death attack. J'ai mis request for hunter. Le gars avant moi, il m'a pas occupé. Il a pris hunter. Après ça, il a mis request for. Là, ils m'ont laissé apprendre un guardian. Un guardian. L'autre équipe a ban tous les guardians que je joue. Ils ont ban Cerberus. Ils ont ban Shukyu. Ils ont ban même ça, Terra. Ils m'ont ban Terra, mon cher. On m'a laissé chier, mire. Wow. Je peux même pas bien tank. Déjà que tank pour moi dans ce jeu-là, à part les noms que j'ai nommés là. C'est pour ça que t'as un impact quand même. Mais on joue ça là. Tant que j'apprends que t'as comme ça, les gars, ils me pèsent comme il faut. Là t'as joué qui? Ah, j'ai besoin de toi encore à voir ce qu'on va me donner. Non, je suis concentré là, vraiment, disons. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit? Comment ça? Ah, bien, ouais. Vas-y, commence à parler. C'est drôle à voir, mon gars. C'est jamais. C'est jamais. C'est lui, le fait qu'il commence à jouer.
Quand tu as dit c'est quoi, moi je suis pas mal. Après, les coffres comme ça, mais les coffres, là, ça fait pas. Oh, je n'ai pas dormi. Il compte jusqu'à 10 minutes quand il dort. Oh, un but, c'est un peu mal déjà, c'est fini. Je veux prendre Kepri. Tantôt, quelqu'un a fait un combo de fou. Ils avaient Kepri, Aphrodite et puis Artemis. C'est méchant ça. On n'a jamais plus vu Artemis. Le Kepri de Kepri en plus, là, il est... Le Kepri a sauvé Artemis à chaque fois qu'il va se mourir. Et Aphrodite l'a sauvé aussi à chaque fois qu'il va se mourir. Yeah. Est-ce que toutes les bonhommes sont avec le même vie en système? Il y a des bonhommes qui ont déjà plus. Non, 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 le cas qu'on slack un peu plus. Okay. Mais dans les tanks, toutes les tanks ont la même chose ou bien il y a un tank qui est. Il y a des tanks qui parce que. Oh non, il y a un peu. Il y a un gars qui joue avec la tortue ninja là. Je l'aime pas la tortue ninja, ça peut le dire. Waouh! J'ai jamais joué avec. Kappa Kappa là. Il est belle même. Ça pas du temps avant qu'il t'emmerde vraiment là. Il défend l'affaire de comment il prend. Puis... Il y a des gars qui vont te stun sur ça, mon gars, même si t'as rien fait. Le passé qui est exigeant. On peut pas se poser prendre du dommage. Aïe aïe aïe. On va aller se battre pour l'or blue buff, man. Bon, monsieur, moi je vais faire ça, man. Je suis fatigué, là, mes yeux tombent. Ouais, allez, c'est bon. Commence à installer ou quoi? Ah, ça, je vais te laisser ça. Ah, ça veut dire non. Merci. Hey, tu fais ça. Ciao, man. Yes. J'aurais dû faire ma relique, j'aurais dû faire ma relique, j'aurais tué tout le monde. Oh boy. Ça va, Bobin. Même.
c'est pas même font pareil. Smite. Hein, tu t'en vas pas, c'est sûr, je te tue. Voilà. Malade, toi. C'est sûr, je te tuais là. Toi aussi, je te tue. Oh! Come on, les gars! Oh, il est plus petit. Oh, faute. Ok, je savais pas qu'il faisait ça. Salut, salut, salut. What's up, what's up? Random de la game. Dark? Yo, what's up, man? What's up, buddy? En forme. Ah, c'est vrai, ce jeu-là, le son est fort, j'avais oublié. Outriders? Ouais. Je viens de l'acheter aujourd'hui, là, non. Pourquoi tu l'as acheté? Comment, pourquoi je l'ai acheté, sérieux? Pour jouer, mauvais jeu live. Non, mais parce que s'il est gratuit sur Xbox. Hein? Game Pass. Pas vu sur Game Pass. Bah oui. Calme-toi, non, attaque, 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 attaque. Il fuit sur Game Pass. Il doit être là, je m'en vais voir sur Game Pass. Oh, il est gratuit, gratuit, gratuit. Free, 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 free là. Bien sûr, moi je vois pas ça. Bluff, je le vois pas. Ben, écrit Game Pass, écrit Outriders. C'est sur les Game Pass. Ils l'ont enlevé, ben, je pense. À moins qu'ils l'ont enlevé, mais je pense pas. Ça me était gratuit. Ça me était gratuit, gratuit net là. Attends, attends. Ah oui, tu as raison. Ouf! Tu vois? What the fuck, je suis tombé dans le piège, mais c'est pas grave. D'ailleurs, let's go, man. Ça joue, mon gars, it's time to play. Ça fait mal, hein? Là, tu sais que tu viens de dépenser. Tu viens de dépenser 80$, 90$ pour rien, là. Ah, ouais, non, man. Je comprends pourquoi tout le monde joue à ça, man. Je te comprends de quoi. Pourquoi tout le monde joue à ça, hein? Ah, ouais, gratuit. Mon bien, il n'y a pas. Non, mais qui dit l'acheter, c'est pas. C'est pas grave parce qu'il va pas rester. Il est pas typiquement gratuit. Game Pass, il va pas rester là, live. Là. Longtemps. C'est ça. C'est garanti qu'au DLC, il est parti. Mais au moins, t'as un avant-goût, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On devrait pas avoir l'avant-goût.
Tu t'es arrêté quel niveau dans la démo? Dans la démo, quel niveau? On s'est arrêté au même niveau, non? Ah non, moi j'avais arrêté de jouer bonheur là dans la démo, j'avais pas aimé la démo. Ok, ok. Oh, je suis où là? What the fuck? Ah, oh, c'est vrai, tu peux choisir ta mission, j'avais oublié. J'ai complètement oublié tout là. Ah, je suis dans un monde niveau 1. Je suis dans un niveau 1. Oh mon dieu. J'ai tout oublié. Oh god, j'ai tout oublié. Je suis sûr que t'es le côté. Ok. Gong Gong Yu, il est fort. Gong Yu? Et on fait comment? Déjà pour s'appuyer. Sur les murs? Ça c'est A. Ouais, je vois. Oh wow, ça fait mal ça. C'est des boulis. U-A-N-U, je vois ce qu'il y a là. Wow. Wow, je sais pour le jeu. Carrément.